Bonjour, mon nom est Isabelle du YMCA. En collaboration avec Participation, nous vous proposons un cours d'aérobie à intensité modérée. À gauche, je trouve Caroline qui fera les variations d'exercices sur chaise. Et à droite, se trouve Olivia qui fera les variations d'exercices plus complexes. Les bienfaits d'un cours d'aérobie à intensité modérée sont l'amélioration de la capacité cardiovasculaire et l'accumulation de plaisir. Souvenez-vous, on veut que vous bougiez en fonction de votre niveau. Donc, assurez-vous de bouger au niveau qui vous convient aujourd'hui. On va commencer par un échauffement. C'est parti! Donc, nous allons commencer par marcher sur place. Et nous allons prendre 3 grandes respirations. Et 1. Et de 2. Et 3. Parfait! Dans 3, vous allez faire les pas de côté, 2 et 1. On peut aussi ajouter les bras. Donc 3, 2, 1, tape genou haut. Parfait. Et 3, 2, 1, talon fesse. Et 3, 2, 1, on marche. Parfait. On va refaire les 3 exercices ensemble. Dans 3, 2, 1, pas de côté. Parfait. Les bras cette fois-ci vers le haut. Et 3, 2, 1, genou haut. Et 3, 2, 1, talons fesses. Parfait. Et 3, 2, 1, on marche. Ouais. Ça va bien ici, Caroline? Et pour toi, Olivia? On va le faire une dernière fois. Dans 3, 2, 1, pas de côté. Cette fois-ci, les bras en flexion. Et 3, 2, 1, genou haut. Et 3, 2, 1, talon fesse. Ouais. Et 3, 2, 1, on marche. Voici la fin de l'échauffement. Pour le premier bloc, nous allons commencer par marcher. Dans 3, nous allons marcher vers l'avant. 2 et 1. 1, 2, 3, step. 1, 2, 3, step. 1, 2, step. 1, 2, 3, parfait. Dans 4, 3, 2 et 1. Et on marche. Parfait. Prochain exercice. Genou haut. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 3, 2, 1. On marche. Prochain exercice. Squat de côté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Parfait! Vous pouvez suivre la variation de Caroline sur la chaise ou la variation d'Olivia avec un saut. Et 3, 2 et 1, on marche! Prochain exercice, tape orteil. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Et 3, 2, 1, on marche. Donc maintenant, nous allons enchaîner les 4 exercices l'un après l'autre. Donc dans 3, on marche vers l'avant. 2, 1. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, stop. 1, 2, 3, parfait. 4, 3, 2,
genou haut. Et 3, 2, 1, squat de côté. Donc, vous pouvez suivre la variation assise avec Caroline. Ou la variation avec un saut avec Olivia. 4, 3, 2, et 1. Tape orteil. Et 3, 2, 1. On marche. Et c'est la fin du bloc 1. Donc, on est rendu au bloc 2. On va commencer par marcher. Premier exercice. 3 pas croisés. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On peut aussi ajouter les bras. Parfait. 4, 3, 2, et on marche. Parfait. Prochain exercice. Pas en V. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On peut ajouter aussi les bras. Vous pouvez suivre la variation avec Olivia et les sauts ou la variation sur la chaise avec Caroline. Et 4, 3, 2 et 1. On marche. Prochain exercice. Talons-fesses en simple. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 4, 3, 2, 1, on marche. Parfait. Prochain exercice, talons-fesses, on double cette fois-ci. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 4, 3, 2 et 1. On marche. Parfait. Pour la prochaine fois, on va enchaîner chaque exercice l'un après l'autre. Dans 3, 2, 1, pas croisé. Quatre, 3, 2 et 1. Pas en V. Parfait. Et 4, 3, 2 et 1. Talons-fesses. Et 4, 3, 2, 1. En double. Parfait. Et 4, 3, 2 et 1. On marche. Donc, on va faire une deuxième fois. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Parfait. Et 4, 3, 2 et en V. Parfait. Et 4, 3, 2 et 1. Talons-fesses. Ça va bien, Caroline? Parfait. Et toi, Olivia? Parfait. Et 4, 3, 2, 1. Et en double. Et 4, 3, 2 et 1. On marche. Et c'est la fin du bloc 2. Donc, nous sommes rendus au bloc 3. On va commencer par marcher. Premier exercice, c'est les pas de côté comme à l'échauffement. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. 4, 3, 2, 1, et on marche. Parfait. Prochain exercice, talons devant. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Parfait. Et 4, 3, 2, 1, et on marche. Prochain exercice, genou-coude.
3, 2, 1, c'est parti! C'est 4, 3, 2, 1, et on marche! Parfait! Prochain exercice, tape arrière. En 3, 2, 1, c'est parti! Et 4, 3, 2, 1, et on marche. Donc, cette fois-ci, nous allons enchaîner les 4 exercices l'un après l'autre. Premier exercice, pas de côté. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. 4, 3, 2, 1, talon devant. 4, 3, 2, 1, genou coude. Parfait. 4, 3, 2, 1, tape arrière. 4, 3, 2, 1, et on marche. Parfait. On va le refaire une deuxième fois. Pas de côté dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 4, 3, 2, 1, talon devant. 4, 3, 2, 1, genou coude. Ça va bien, Caroline? Et toi, Olivia? Et 4, 3, 2, 1, talon arrière. Et 4, 3, 2, et 1, et on marche. Et c'est la fin du bloc 3. Donc, nous sommes maintenant rendus au bloc 4. Il ne reste pas gros. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui? Parfait. Donc, on va commencer par marcher. Premier exercice, coup de pied vers l'avant. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 4, 3, 2, 1, et on marche. Prochain exercice, coup de pied sur le côté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 4, 3, 2, 1, et on marche. Parfait. Prochain exercice, coup de poing sur le côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 4, 3, 2, 1, et on marche. Parfait. Dernier exercice, ça va être les squats sur place. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pour cet exercice, vous pouvez suivre la variation sur chaise avec Caroline en serrant les fessiers ou la variation avec Olivia en ajoutant un saut. Et 4, 3, 2, et 1, on marche. Parfait. Maintenant, nous allons enchaîner les 4 exercices ensemble. C'est bon, vous êtes prêtes? Oui! Parfait! Dans 3, 2, 1, coup de pied vers l'avant. Et 4, 3, 2, 1, vers le haut. Et 4, 3, 2, 1, les coups de poing. Parfait. Et 4, 3, 2, 1, les squats. Tout se passe bien pour toi, Caroline? Et pour toi, Olivia? On lâche pas. Encore 4, 3, 2, et on marche. Parfait. On va le refaire une autre fois. On lâche pas, c'est le dernier. Dans 3, 2,
un coup de pied vers l'avant. 4, 3, 2, 1, vers le haut. Et 4, 3, 2, 1, sur le côté. Parfait. Ça va bien, Olivia? Ça va bien. Et toi, Caroline? Bien, merci. Et 4, 3, 2, 1, et squat. Encore une fois, on peut serrer les fessiers ou ajouter un saut. Et 4, 3, 2, parfait. Et c'est maintenant la fin du bloc 4. Donc, nous sommes maintenant rendus au retour au calme. Donc, nous allons marcher sur place. Nous allons prendre 3 grandes respirations. Et 1. Et 2. Et 3. Parfait. Maintenant, nous allons rouler les épaules vers l'arrière. Donc, c'est très important à la fin d'un exercice de faire les étirements pour augmenter notre mobilité. Et maintenant, vers l'avant. Parfait. Nous allons arrêter ici. On va aller tirer l'arrière de notre jambe. Donc, on va mettre la jambe vers l'avant. Et on plie un peu comme ça. Parfait. Donc, on va étirer toute l'extérieur ici et l'arrière de la jambe, donc les ischios, nos mollets. Parfait. On peut se relever de l'autre côté maintenant. Donc, assurez-vous de poser votre talon à terre, de lever les orteils et de plier ici au niveau de la jambe. Parfait. Encore pour 5. Et on se relève. Parfait. On va aller chercher la cheville juste ici. On peut mettre le bras vers le haut pour nous aider à garder un bon équilibre. Et on avance le bassin pour assurer une bonne étirement au niveau du quadriceps. Parfait. De l'autre côté, on dépose tranquillement. Et on va chercher la cheville, on lève le bras. Et on met vers l'avant notre hanche. Parfait. On dépose à terre. Et on va aller toucher nos orteils. Donc on roule le dos vers le sol, tranquillement. On s'étire. Et on déroule la colonne vers le haut, une vertèbre à la fois. On déroule nos épaules et on soulève la tête. Parfait. Nous allons prendre 2 grandes respirations. On plie les genoux. On pointe vers le haut. Et une deuxième fois. Parfait. Et c'est terminé. On espère que vous avez aimé l'entraînement d'aujourd'hui qui vous a été proposé en collaboration avec Participation. Merci à Olivia, merci à Caroline et à vous tous et toutes de vous être joints à nous pour l'entraînement d'aujourd'hui. Souvenez-vous, bouger à intensité modérée à tous les jours améliore la capacité cardiovasculaire et l'accumulation du plaisir. Parce que tout va tellement mieux quand on bouge.